Hello, everyone. Welcome back to Chaos West TV. The next talk will start momentarily. I will now switch back to German for a few seconds to announce a translation. Then I'll switch back and then we'll go off to the races, as they say. So, nochmal schnell auf Deutsch. Willkommen zurück zu Chaos West TV. Eure beste... Bonsoir, Chaos West TV. Prochaine présentation commence de suite. Dank unserer Übersetzungscrew auf Deutsch übersetzt. Ihr solltet in der Lage sein, das im Stream einfach auszuwählen. Donc, une traduction. On va voir ça dans le stream. Auch direkt simultan übersetzt auf Deutsch hören. Und ich rede jetzt auf Englisch weiter. Maintenant, je vais parler en anglais. Back to English. Donc... Now, in the comfort of your own homes or wherever you are viewing the stream, please do a round of applause for our next speaker. Donc, un grand applaudissement pour le prochain speaker. Public transport. Let's go. Welcome to my contribution to this year's. Merci, bienvenue à ma contribution pour le RC3 2021 pour optimiser la. Optimiser le transport public, c'est une étude des transports publics des vélos à Marbourg. En particulier, j'aimerais remercier le canal qui m'a accepté, donc le Chaos Way, pour accepter cette présentation pour mon travaux. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner une information sur un de mes projets hobby. Donc, j'ai téléchargé plus d'un million de données à propos du système de bike sharing, donc de partage de vélo à Marbourg. Cette étude est arrivée lorsque je suis allé de Stuttgart à Francfort et j'ai regardé la présentation sur la data mining de David Kriesel. Donc merci pour l'inspiration. Donc, qui suis-je? Je suis Martin Lelep, j'ai étudié la physique et je continue à étudier la physique, donc un doctorat en physique théorique à Edinburgh en études. Et sinon, j'aime bien faire des études de données, comme ça, des analyses de données comme ça. Donc, deux choses de plus, c'est que la première chose, c'est que j'ai étudié à Marbourg. La deuxième, c'est que j'aime aussi faire du vélo. Donc Marbourg, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite université, c'est une ville universitaire à peu près à 80 000 km de Francfort, donc c'est à peu près une heure de train ou voiture, voilà. Et c'est dominé par l'université. On voit ça par exemple, juste en nombre, il y a 25 000 étudiants pour à peu près 77 000 résidents, qui est quand même à peu près un tiers. Donc, on voit une image très populaire, et c'est joli, c'est bucolique, on voit le château et puis la rivière Lahn, quelques petites maisons, et les vélos sont... C'est Nextbike qui fait ça. Il loue des vélos. Donc avant d'avancer dans quelque chose de plus détaillé, je vais raconter l'histoire d'Anna. Anna, c'est une étudiante à Marbourg et elle vit un petit peu à l'endroit de la ville. Donc elle ne va pas à pied où il faut qu'elle aille. Et elle prend le bus de leur appartement à la ville et donc elle fait le dernier elle veut un petit peu de vélo à la fin. Sinon, elle aime étudier, elle est relativement tard, donc on voit une image de Marbourg la nuit, et donc elle a besoin d'aller au bus, elle a oublié son Mac, donc il faut qu'elle se presse. Et elle n'a pas réussi. Donc, elle prendrait un vélo pour aller donc sur les derniers kilomètres pour aller à la station de bus. Il y a beaucoup de vélos. C'est très facile de récupérer un vélo et puis hop, on conduit jusqu'à la destination. Anna must be a very unlucky student today because donc, Anna n'a pas de chance parce que la station elle est vide. Elle rate le bus et donc elle arrive à la maison un peu plus tard.
cooking plans and her Netflix plans, ses plans de cuisiner et puis de manger et de regarder Netflix, c'est un petit peu retardé parce qu'elle arrive plus tard. That's of course a very, et c'est very un petit peu triste. People, not only Anna, and in fact, it also happened to me a few times. Beaucoup de gens, mais ça m'est arrivé une paire de fois aussi. Chaque fois ça s'est passé, je me suis dit, bah, je dois être la personne là, qui a le moins de chance à tout moment. Aller à une station avec tout plein de vélos et cette fois-ci c'est complètement vide. Pour rater ensuite mon bus. Donc après que ça soit arrivé un petit peu plusieurs fois, je me suis dit peut-être que je ne suis pas. Il y a peut-être un système. Un système à quelles stations sont vides. Donc étant donné que j'aime, que mon hobby c'est d'analyser les données, je pense on va analyser les données. L'idée pour cette talk, ça va être de récupérer les données de Nextbike, on va les récupérer, les stocker et puis les analyser et aider Anna, moi et d'autres étudiants pour faire ça. Savoir dans quelle station il faut aller si tu as vraiment, vraiment besoin d'un vélo. Donc la technologie que j'utilise, c'est un container Docker avec un petit script de Python qui roule toutes les 30 secondes. Il télécharge les données, il les sauve à l'extérieur du container Docker pour les valider, pour les évaluer un peu plus tard. Le concept a un nom, c'est Extract, Transform, Load, donc c'est extraire, transformer, charger. Je l'ai écrit en Python, et ensuite j'ai fait un petit peu de code en analytique en Python, et donc tout ça c'était tourné sur un petit serveur à la maison, donc dans mon appartement. Ensuite les données, c'était des vélos identifiés par leur ID, ensuite l'endroit où ils sont, et dernièrement la station de, et donc il y a une liste de stations aussi. Donc après ça, alors ensuite j'ai fait quelques images que je vais vous montrer maintenant pour l'analyse, et si vous êtes intéressé, il y a des slides disponibles sur ce site que vous pouvez accéder à travers ce QR code. Il contient les slides que vous voyez ici, ainsi que des figures en haute résolution et différents articles que j'ai écrits sur ce sujet. Alors, les résultats pour Anna, il se trouve qu'il y a eu 37 stations avec environ 230 vélos à travers tout le réseau de Marbourg. Et sachant qu'il y a environ 30 stations, et c'est intéressant de savoir où est-ce qu'elles sont, puisque Anna pourrait aller à une autre station si une station donnée est vide. Voilà, sur cette carte, les stations sont annotées par des petits points avec un code couleur qui correspond au nombre moyen de vélos qui sont stationnés à cet endroit. Donc, voyons une version un peu interactive parce que sinon c'est un peu compliqué. Alors, je clique ici et maintenant on peut glisser, zoomer. On peut voir souvent avec ce type d'interface. Et si on clique sur ces petits points, on voit le nom de la station et le nombre moyen de vélos stationnés ici. Et la plupart des stations, évidemment, sont dans le centre de la ville, avec quelques-uns sur l'extérieur. La station avec le plus de vélos, c'est celle qui est autour de la gare centrale. Alors, il y en a quelques autres autour du centre-ville. Et la deuxième plus grande, si on continue, c'est sur la deuxième gare, avec, donc sur la plus petite gare de la ville, il y a des stations. Alors, le premier résultat, ce serait un graphique de l'usage par heure. Qui permet de voir comment l'écosystème de Nextbike est utilisé selon le jour de la semaine et selon l'heure de la journée.
Et en regardant ces chiffres, elle va comprendre comment mieux planifier son temps en cherchant une station. Alors, c'est un peu plus difficile à comprendre. Je vais prendre un peu de temps pour expliquer. D'abord, la figure du haut, c'est en abscisse l'heure de la journée et en ordonnée, c'est le nombre moyen. Alors, c'est l'écart à la moyenne du nombre de vélos stationnés sur ces stations. Alors, ça veut dire en gros que si c'est zéro, ça veut dire que on est sur le nombre moyen de vélos, et si le nombre est positif, on est au-dessus de la moyenne, si le nombre est négatif, on est en dessous de la moyenne. Donc, du coup, on comprend que le matin, il y a plus de vélos stationnés, mais si on va vers midi, on a une distribution bimodale avec deux descentes, avec beaucoup moins de vélos à midi et environ vers 18h. Et on peut faire la même chose en fonction du jour de la semaine. Et là, on peut voir que sur le début et la fin de la semaine, donc le lundi et le week-end, le réseau est plus populaire, donc on prend plus de vélos, l'écart est négatif. Et par contre, vers le midi, lieu de la semaine, il y a plus de vélos disponibles. Si on combine ces deux figures, on voit l'histogramme joint au milieu, qui est donc en fonction à la fois du jour de la semaine et de l'heure, et on peut voir que le lundi, c'est vraiment le moment où il y a le plus de gens qui utilisent les vélos, ainsi que le samedi après-midi. Et par contre, ce qu'on peut voir, c'est que le vendredi matin, c'est vraiment très facile d'avoir un vélo, peut-être parce que les gens sont déjà partis en week-end. Donc ça, c'est le premier résultat pour Anna, qui est d'éviter les moments autour de midi et de 18h quand on cherche un vélo. Alors, un autre truc qu'on peut regarder, c'est la probabilité de trouver une station vide. Et pour chaque station, séparément, on peut regarder un nombre qui est la probabilité que cette station soit vide. Donc, par exemple, si on prend la gare principale, alors c'est peu probable de la trouver vide, alors que si on va en bas, par exemple, Wirtschaftswissenschaft, 70% du temps, la station est vide. De façon assez intéressante, si on regarde la deuxième gare, la gare du Sud, il y a une assez importante probabilité de la trouver vide. C'est très différent de la gare principale qui est presque jamais vide. Alors, un autre truc intéressant, c'est qu'on peut faire le graphe de la probabilité d'être vide en fonction du nombre moyen de vélos stationnés. Et ce qui nous permet de voir que plus il y a de vélos stationnés, moins la station a une probabilité d'être vide, ce qui est assez logique. Et donc, il vaut mieux éviter les stations petites et les stations qui sont souvent vides, puisque... Et donc, avec tout ce pipeline ETL et tous les points de données que j'ai récupérés, est-ce qu'on peut trouver plus de choses? Donc, pour l'instant, ce que je vous ai montré, c'est du point de vue de l'utilisateur. Mais maintenant, on peut regarder du point de vue de la ville. Et dans ce cas-là, on peut se demander comment le réseau est utilisé. Est-ce que le vélo est une bonne chose pour la ville? Est-ce que ça contribue à améliorer la ville? Et est-ce qu'il faut améliorer l'infrastructure cyclable de la ville? Et donc, tout ça est du point de vue de la ville.
that I would like to start with is something that I call the distance matrix, in which I concentrated on the positions of the bike stations and computed the pairwise distances for all of them. And since the distance is of course symmetric, also the stored... Alors la première chose qu'on peut faire, c'est la matrice des distances où j'ai affiché pour chaque couple de stations la distance. Et donc ça forme une matrice symétrique. Il y a environ 600 combinaisons. Donc la voici. Donc sur chaque axe, on met la liste des stations et pour chaque combinaison, on affiche la distance entre ces deux stations. Et l'intervalle possible de ces distances est entre 0 et 8 km. Et donc, évidemment, entre la station et elle-même, il y a une distance de 0. Donc, la diagonale est évidemment de 0. Et donc, tout le reste de la matrice est symétrique. L'autre chose, c'est la base pour tout le reste, c'est la matrice de transition où je compte le nombre de transitions d'un vélo vers d'une station vers l'autre. Ça n'est plus symétrie parce que ça n'est pas parce qu'il y a 5 vélos qui vont d'une station vers l'autre qu'il va y en avoir 5 qui vont revenir. Donc le nombre d'entrées est exactement 1400. Donc, de nouveau, ça peut être visualisé de la même façon. Nous avons la distance, donc les stations sur un axe, les mêmes stations sur le deuxième axe. Et donc, chaque entrée, c'est le nombre de vélos de transition d'une station vers l'autre. Et donc, ça va de 0 jusqu'à 3000. Et il semble que les transitions, que quelqu'un prend un vélo d'une station et va faire ses courses et le ramène au même endroit, et bien ça arrive, c'est ce qui est le plus souvent. Et donc, le plus d'entrées est sur les diagonales. Même parfois, c'est pas si intéressant de voir les transitions donc les mêmes. On va voir ça sans la diagonale. On a vu les éléments. On a mis des éléments à zéro si vous regardez bien de près. Donc, on va justement pour en parler de ça. Vous pouvez aller, c'est très éducatif, d'explorer ça. Donc, voici. Une version interactive, vous pouvez la visiter. Donc voici la matrice sans les diagonales, celle avec la diagonale. Et donc en glissant dessus, vous allez voir par exemple que de Schillerplatz à Aucersalé, il n'y a aucune transition. Alors que par exemple de Biggenstrasse vers la gare centrale, eh ben, il y a 800 transitions. Ce sont dans le temps de capture des données. Donc, explorer, regarder ceux qui sont, essayer d'identifier ceux qui sont les plus intéressants, les plus utilisés, les plus populaires. Okay. Que cette matrice de transition peut aussi être montrée comme un graphe de réseau où on voit seulement les plus grosses stations parce que la traduction, si on faisait voir tout serait trop dense, on pourrait juste faire les plus grandes stations. Et donc on voit les cercles bleus, ce sont les stations et les lignes, c'est lorsqu'il y a une transition. Et donc, on voit par exemple qu'il n'y a que certaines stations qui sont complètement isolées et certaines qui ont beaucoup de transitions vers elles-mêmes et qui vont aller aussi vers une station plus centrale. C'est aussi plus intéressant. Donc c'est pour ça que j'ai fait une version active, c'est très intéressant. On peut zoomer, on peut faire glisser à droite à gauche, on peut déplacer le graphe. Si on clique sur une station, on va voir d'où venaient les transitions vers cette station. Donc celle qui est très, très connectée, comme par exemple la gare centrale, il y a beaucoup de connexions dans le graphe, et par exemple, il y a Friedrichsplatz qui ne sont quasiment pas connectées. Celle-ci, par exemple, est intéressante, c'est Afula, c'est le café Trauma. Il n'y a même pas de connexion vers elle-même. Donc les gens prennent un vélo et vont en ville, généralement. Et généralement vers Elisabeth Plormann Platz, apparemment.
Okay, so if you now... Donc, si maintenant on prend ces résultats, là, si on prend ces transitions de matrix, les distances, et qu'on les mélange, on va avoir des informations intéressantes, des nombres intéressants. Donc, le nombre de c'est 207 010. Donc, dans les données, c'est quand même beaucoup pour une petite ville comme Marbourg. C'est en prenant les sommes des transitions dans la matrice. Si on prend la distance entre ces stations, les transitions, ça s'accumule pour une distance de 322 650 km. Donc, quand on prend ces deux nombres, donc avec les matrices qu'on a utilisées aujourd'hui, donc avec quelques, on combine ça avec des statistiques comme par exemple le fuel d'une voiture, enfin l'utilisation, la consommation d'une voiture ou la création de CO2. On voit les avantages économiques. Je trouve ça amusant que le nombre de calories sont 8,6 de millions de kilocalories. Pour faire ça plus sensible, ce serait 4 000 pots de Nutella qui ont été brûlés en calories, juste pour faire du vélo. Cette distance, si on l'avait fait en voiture, on aurait utilisé à peu près 26 000 litres d'essence. On aurait produit 40 tonnes de CO2. Et c'était 44 000 euros. Ça aurait coûté. Les 40 tonnes de CO2 sont... C'est la vie un Allemand normal produit à peu près 10 tonnes par an, donc ça fait 4 années pour un Allemand moyen. C'est beaucoup. D'autres détails plus intéressants, ce sont de la perspective de la ville et du management du trafic. On a vu les routes les plus populaires en voyant les éléments. Et on voit que la route la plus populaire, elle est utilisée plus de 2000 fois, donc de l'Europe, de la gare centrale vers le Düsseldorf-Berwick. Et donc, on voit. Et donc, on voit que dans ces routes principales, il y a 2-3 stations qui sont quasiment toutes leurs dedans. Et si la ville veut améliorer le vélo, le système cyclable, on a vu l'impact sur les avantages économiques et puis sociaux et puis écologiques. Donc, si la ville a des ressources limitées, donc il suffirait de voir quelles sont les routes les plus populaires et de les réparer et de les maintenir. Donc, à ce point-là, vous allez poser ces questions. Oui, mais il a utilisé quoi comme scrap? Qu'est-ce qu'il a scrappé comme données? Qu'est-ce qu'il a récupéré? Et donc, ça, ce sont les données. Là, ce sont les données de vélo. Donc, on a vu deux fois, je l'ai fait en deux parties, de mars à avril 2020. Et cette année, j'ai relancé en avril et j'ai fini donc il y a quelques jours, en décembre 2021. Donc, on voit le nombre de vélos parqués. Quand on est le nombre de vélos qui restent parqués descend avec. C'est une fonction du temps, enfin de la météo. 2021, comment est-ce quel est l'impact de Corona dessus? Et donc, on compare les mois, les deux sets de données. Et donc, bleu, c'est 2021. Et rouge, c'est 2020. Et on voit le nombre de vélos parqués augmente. Il y a peut-être une multitude d'explications. Je ne sais pas. Une explication pourrait être que les gens ont plus resté à la maison pour travailler. Donc, est-ce que... Ça, c'est quelque chose que... Ce que j'ai montré, c'était...
C'était statistique. C'était des moyennes, des sommes. Et maintenant, je voulais voir si on pouvait essayer de faire des prédictions plus précises. Et donc, on a été donc, de l'intelligence artificielle, de la machine learning, où il a essayé de, prédire le nombre de vélos par T avec les nombres qu'on a vus. Donc, est-ce qu'on peut le prévoir en fonction de la température du jour de la semaine et de l'heure en 2020? Et donc, quand on commence ça, c'est bien de voir les données d'entraînement. J'ai essayé de les faire, et puisque c'est quelque chose en trois dimensions, c'est relativement simple à faire. On fait un scatter plot, et puis donc la couleur, c'est donc la donnée visible. Donc, juste en regardant, on change la température. Donc, plus les températures sont basses, plus il y a de vélos qui sont parqués. J'ai utilisé un modèle Learning Forest. C'est un arbre de décision randomisé, aléatoire. C'est très flexible, si vous voulez. Donc, ce serait intéressant de voir si on peut prédire le nombre de vélos stationnés en fonction du jour, etc. Et donc ça, c'est vraiment très adapté au modèle des forêts aléatoires. Et donc, c'est des données qui n'avaient pas été vues par le modèle auparavant. En regardant les prédictions dans l'espace de phase, on peut voir que les couleurs correspondent plutôt bien, donc avec un plus grand nombre de vélos stationnés dans le régime des basses températures. Et si on regarde l'erreur quadratique moyenne, elle est de seulement environ un dixième de la moyenne, qui est plutôt une bonne performance de prédiction étant donné ce qu'on peut obtenir habituellement. Si on va un peu plus loin dans le machine learning, j'ai calculé l'état stationnaire de Markov pour le même jeu de données. Et donc, vous pouvez le regarder en ouvrant ce lien. Et alors, enfin, je voudrais faire quelques conclusions résumées. Donc, j'ai récupéré les données de Nextbike à Marburg pour trouver quelle station éviter lorsqu'on a désespérément besoin d'un vélo. Et ensuite, j'ai calculé la probabilité pour une station d'être vide et trouvé qu'elle était corrélée au nombre de vélos. Et donc, si on a absolument besoin d'un vélo, il vaut mieux prendre une grande station. Si vous revenez à la visualisation interactive, vous pouvez retrouver l'emplacement de ces stations. Et ensuite, je me suis tourné vers la perspective de la municipalité pour regarder les motifs d'usage de Nextbike en fonction du jour de la semaine, de l'heure, quand est-ce que le système est particulièrement utilisé, qui pourrait être utilisé pour la planification urbaine ou pour les bénéfices sociaux ou écologiques. Et enfin, j'ai montré que des prédictions plus possibles étaient possibles lorsqu'on allait un peu plus loin que les statistiques. Et enfin, j'ai pu travailler avec Asta Marburg. C'est l'association des étudiants. Et merci pour leur confiance. Et enfin, les vélos, c'est super. Et ils sont super pour vous, pour l'environnement et pour votre porte-monnaie.
permet d'économiser l'argent sur l'essence. Et je voudrais souligner que faire des optimisations en se basant sur les données pour le transport public peut améliorer la qualité de vie à un coût minime. Et donc, par exemple, si on n'avait pas assez d'argent, mais qu'on a quand même besoin d'améliorer l'infrastructure cyclable, les données permettent de trouver quelle combinaison de stations, quelles rues sont populaires, et ça permet de savoir lesquelles améliorer en premier avec un budget réduit. Si vous voulez en savoir plus, sachez que j'ai déjà parlé au dernier RC3 sur le stationnement à Marbourg, et donc vous pouvez cliquer les liens pour la vidéo de l'année dernière. Merci beaucoup pour votre attention. Donc, si vous avez besoin de me contacter, voici mon adresse email. Si vous voulez, si vous voyez des choses à améliorer dans la présentation ou avoir des liens vers des données supplémentaires. Et donc, merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont contacté suite à mon exposé de l'année dernière. Merci beaucoup pour votre attention. All right, welcome back. It's time for the Q&A now. Si. You probably know. Et donc la question maintenant. Anyway. Je vais la répéter. Et sur Twitter ou Mastodon, le hashtag c'est RC3CWTV pour poser les questions. Si vous êtes sur Hackint dans l'IRC, c'est le dash CWTV. Et a priori, on a des questions, donc on va commencer. Donc la première question, c'est est-ce que l'API NextPike est utilisée? Est-ce que NextPike sait que vous avez fait ce scrapping? Oui, alors, pour autant que je sache, l'API NextPike a été reverse engineeré, donc ingénierie reverse, et donc il a documenté, quelqu'un qui a documenté ça, donc qui documente aussi les API de NextPike et d'autres, et certaines compagnies produisent aussi les trottinettes, et puisque c'est officiellement, c'est une API de iOS, donc c'est libre. Et donc, puisque c'est du iPhone, tous les iPhones y accèdent, on va. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser de s'enregistrer. Donc, pour autant que j'ai pu voir, on peut y accéder simplement comme ça. Allez voir aussi partout en Allemagne, en Pologne. C'est pas mal. C'est un petit probablement accidental, mais c'est quand même sympa. Donc, quel logiciel est-ce que vous avez utilisé pour l'AI? Ça a été fait avec Python, avec spécifiquement SKLearn, qui est un framework relativement populaire pour Python. C'est le truc que tout le monde utilise. Donc, oui. Est-ce que vous avez maintenant, est-ce que vous savez qui bouge les vélos? Est-ce que ce sont les utilisateurs ou est-ce que c'est juste, ou est-ce que la société les bouge? Je pense que j'ai eu la chance de parler avec quelqu'un de NextPike. Donc, je travaillais donc avec le conseil étudiant de Marbourg et il disait que c'était pas très technique, donc c'est pas très digitalisé, donc ils conduisent. Donc je pense qu'ils récupèrent des données, qu'ils collectent des vélos pour les maintenances et puis qu'ils les aussi les déplacent quand c'est nécessaire. D'accord. Savoir si les scripts sont publics. Si il y a un repo GitHub, est-ce que vous pensez mettre ça sur GitHub? Donc oui, potentiellement, peut-être. Je n'ai pas encore de plan parce que c'est plus de travail, pour être honnête. Donc je peux
peut offrir la même chose que l'AMP, c'est envoyez-moi un email et s'il y a suffisamment de monde qui sont intéressés, je vais peut-être prendre mon repo interne parce qu'il y a quelques petites notes qui sont privées, donc ça, je vais pas les publier. All right. Anything else? Okay. Et quelque chose d'autre? Chers auditeurs, vous avez peut-être 30 secondes. Il y a une question sur la période de données. Oui, j'ai essayé de publier, donc c'est à peu près 2020, toute l'année, et puis à peu près la moitié jusqu'aux deux tiers de 2021. J'avais quasiment que de la pandémie. Oui, à peu près exclusivement de la pandémie. La question, si c'est plus ou moins d'utilisation que d'habitude, que les et des gens qui veulent aller quelque part sans utiliser les transports en commun, je pense que le nombre de vélos parqués est descendu le 30 décembre. Les utilisateurs sont en train de descendre, et ça a été aussi confirmé par des gens de Nextbike. Autre chose, et si les gens sont intéressés par le code, même si je le publie ou pas, si vous avez des questions, envoyez-moi un mail. L'écriture de Scraper a été triviale. Et si ce n'est pas trivial pour vous, donc le code n'aurait pas de valeur pour vous. D'accord. Comment est-ce que vos données... comment est-ce que vous interprétez les vélos cassés? Donc, je ne vois pas directement. J'ai une liste de tous les vélos. Et si je pourrais probablement compiler une liste où je vois les vélos, un vélo spécifique est, et s'il est absent... pour un temps relativement long, je pourrais conclure qu'il est probablement cassé en maintenance ou quelque chose comme ça. Mais il n'y a pas de données directes là-dessus. D'accord. Est-ce que vous pensez que Nextbike qui déplace les vélos, ça biaise vos données? C'est une bonne question. Je n'en ai strictement aucune idée. Ce que j'ai calculé, c'est que j'ai défini un terme d'activité qui est le nombre de vélos qui vient et arrive divisé par le nombre de vélos qui sortent plus le nombre de vélos qui arrivent. Et donc, c'est l'activité. Et donc, c'est entre 0 et 1. Et si c'est loin de 0,5, ça veut dire que la station se remplit, enfin, est en surpôt ou est toujours vide. Et il y en a quand même beaucoup qui sont un petit peu en dessous ou au-dessus, mais les données que j'ai ont seulement les vélos qui ont bougé dedans. Donc, ça ne serait pas utilisable pour vraiment trouver ce biais. Que ces données sont aussi valables pour d'autres. Je ne sais pas, je n'ai pas vu, je pensais qu'ils étaient tous partis. Docking. À des stations, enfin, ceux qui n'ont pas de station, mais uniquement ils les mettent directement partout. Tout ce que j'ai fait, c'est regarder les stations. Mais oui, il y en a aussi quelques-uns qui sont à peu près partout. Mais généralement, ils sont pénalisés par la monnaie, donc ils ont besoin de payer de l'argent. Donc, je ne les ai pas du tout analysés. Ça serait intéressant aussi. Mais il y a des vélos, il y a aussi des cités où c'est où il n'y a pas de station, Nextbike, où les gens peuvent laisser le vélo où ils veulent. J'en suis pas certain. J'en ai entendu parler. Donc, par exemple, je pense que c'est sur les grandes villes, donc à Berlin. Mais je pense qu'il y a certains endroits où c'est Nextbike ou pas, mais je ne sais jamais lequel c'est, je ne m'en souviens jamais. Je ne l'utilise pas. Et tout le monde. Maintenant, dernière question. Dernière chance de te poser plus de questions. J'ai l'impression d'être le RC3 Teleshopping. Si vous n'avez pas encore vu, je recommande le Teleshopping. Je pense que c'est le meilleur truc au RC3. Il faudrait tous regarder dedans le Teleshopping. C'est extrêmement utilisé, c'est extrêmement utile qu'ils vendent.
Okay, so the chat confirms that Nextbike does have cities. Donc Nextbike a aussi des villes sans station. Yeah, I mean, I can only if you're remotely interested in all these. Yeah, si vous avez un petit peu, si vous êtes un petit peu intéressé par ces histoires de transport en commun et de données, allez voir Ubanferlai, le repo de Ubanferlai. De GitHub, il y a beaucoup de systèmes documentés dedans, donc c'est un c'est Ubanferlai. Cette personne vient de Ulm, a aussi contribué au CCC, aux infrastructures du CCC, c'est Konstantin. Et oui, c'est Ubanferlai. Je pense que le repo, c'est Vobike. All right, good, thank you. All right. Ubanferlai. Je pense qu'on a réussi à vider l'Internet. Si les gens ont des questions, où est-ce que vous allez être? Est-ce que vous allez être dans le monde ou... Bonne question, j'ai pas encore pensé, mais oui, pourquoi pas. I'm sure I can figure it out. So, I mean, in general, je pense que je peux. Mais donnez-moi un email. Oui, et donc l'élève à xyz.xyz. L-E-L-E-I-P. Non, bah oui, je pense que si ça intéresse les gens, je peux y aller. Hein, c'est, comme ça, les gens peuvent se chercher. Ok, wonderful. Well, thank you for your talk and for answering the questions. Merci pour d'avoir répondu aux questions pour la talk. Merci d'avoir écouté. Merci aussi de la part de nos de vos traducteurs. Et donc, c'était Remio et Informancer qui ont traduit cette optimisation des.